prêt à l'entame de mes propos, vous présenter les excuses de M. le gouverneur de la région. Pour les raisons que vous savez, il vient juste de prendre service et dans de pareilles circonstances, les agendas sont généralement chargés. C'est pas plus tard qu'hier, tard dans la nuit d'ailleurs, que je l'ai informé de cette activité. Et aussitôt qu'il a entendu le vocable ou l'expression « devoir citoyen », il n'a pas cherché à comprendre plus. Il nous a demandé de le représenter pour vous manifester son adhésion, mais vous adresser également ses félicitations pour l'initiative, mais également ses encouragements. Quant à nous, c'est un honneur et un privilège de procéder à l'ouverture de cette première édition et nous souhaitons vivement qu'il en ait une édition après celle-ci. Vous dire également que c'est avec beaucoup d'aise, beaucoup d'intérêt que nous le faisons. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une initiative noble. Une initiative qui entre parfaitement dans l'orientation du chef de l'État, qui, dans son ambition de mettre le Sénégal dans la voie de l'émergence, entend promouvoir les valeurs de civisme et les valeurs de patriotisme. Et cela se comprend. Parce que pour mettre un pays dans la voie de l'émergence ou du développement simplement, il faut nécessairement des ressources. Dans ces ressources, il y a les ressources matérielles, il y a les ressources financières, mais il y a surtout les ressources humaines. Et un pays comme le Sénégal, sa plus grande richesse, c'est les ressources humaines. Et c'est pourquoi, à côté de l'axe 1 et de l'axe 3 du plan Sénégal émergent, à savoir la transformation structurelle de l'économie, la bonne gouvernance et la sécurité, le chef de l'État a eu la clairvoyance de prévoir un troisième axe qui constitue le capital humain. Il faut donc un capital humain qui signifie une population en bonne santé, certes, une population bien formée, mais il faut surtout une population émue des valeurs de civisme et de patriotisme. Parce que c'est une telle population qui comprendra ce que représente l'État, ce que représentent les institutions, ce que représentent les symboles de l'État. C'est une telle population qui acceptera de mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. La citoyenneté et le civisme, ce ne sont rien d'autre que le fait d'accepter de mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. Et généralement, c'est les forces de défense et de sécurité qui donnent l'exemple type de ce civisme et de ce patriotisme parce que simplement, ils acceptent de consentir tous les sacrifices, y compris leur vie, pour sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Mais cela devrait être le comportement de tout citoyen. Chacun dans son domaine respectif devrait être prêt à consentir tous les sacrifices pour l'intérêt de l'État. C'est ça le civisme. Pour ma compréhension, c'est cela la citoyenneté. Je profite donc de l'occasion pour saluer l'initiative. Féliciter vivement les responsables et les agents de la Radio Zik FM pour avoir cette belle initiative, mais également pour avoir consenti tous les efforts nécessaires
en termes de mobilisation de moyens, nous avons vu les moyens que vous avez mobilisés. Rares sont les manifestations qui mobilisent de tels moyens. Nous avons vu également la communication que vous avez menée depuis presque plus de 3 mois. Vous travaillez sur cette activité. C'est pour dire que vous avez tout fait pour que cette manifestation ait la réussite. Je vous en félicite, vous remercie et vous encourage. Et vous dire de ne pas décourager. Vous l'avez, je pense, bien compris, vous l'avez dit dans votre message tout à l'heure. Tout début est difficile. La plupart seront sceptiques. Mais c'est dans l'engagement, l'abnégation et la détermination que vous parviendrez à pérenniser l'événement et à mobiliser le maximum de citoyens. C'est l'appel que je vous lance en vous réitérant que la disponibilité de l'administration, du gouverneur en particulier, d'accompagner une telle manifestation qui mérite d'être pérennisée, mais qui mérite également d'être vulgarisée. Je vous félicite pour cela, vous encourage pour cela et reste à votre disposition pour vous accompagner. C'est avec beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur que j'assiste à cette première manifestation et surtout magnifier et saluer l'initiative. Parce que ça signifie que les agents de la République FM et les responsables en particulier comprennent l'orientation du chef de l'État. Ils comprennent la vision du chef de l'État. Ils se sont appropriés cette vision et cette politique. Et surtout, ils sont engagés à l'accompagner. C'est ce qui est extrêmement important et ça devait être le comportement de toute autre structure. Donc, l'initiative, elle est originelle, elle est innovante. Nous ne pouvons que souhaiter que l'année prochaine, on ait l'occasion de célébrer la deuxième édition avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de motivation et beaucoup plus de mobilisation des acteurs. C'est notre souhait le plus cher pour cette manifestation. Et c'est avec beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir que je prononce la formule d'ouverture de cette première édition de la Voix citoyenne organisée par la Radio-Zig FM. Je vous remercie.